Yo les amis, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. On est de retour à Gouillon-Martois pour la 6ème épreuve du championnat. C'est là où c'était déroulé, donc l'ouverture du championnat. Niveau physique, j'ai morflé les gars. On sent que l'entraînement McDo Burger King ça paye. Mais oui, c'est clair. C'était dur, mais bon, j'ai pris du plaisir quand même. Et bon, donc on va aller retourner faire un t'inquiète pas, ça va bien se passer. Un petit peu, parce que là, je subis les trous, les ornières, tout ça. Mais bon, franchement, c'était top. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On approche, comme j'ai dit dans une des vidéos, des 1000 abonnés. On est à 931, je crois, à l'heure où je vous parle. C'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Donc si t'es pas abonné, tu cliques sur le petit bouton en rouge s'abonner. Tu peux mettre ta petite cloche aussi, comme ça, quand ma vidéo elle tombe, ça t'évite de regarder tous les jours, comme on m'a dit au terrain. T'actives la cloche, la vidéo elle sort. Tac, notif. Magnifique. Hop, tu cliques, tu regardes. Tu like aussi direct et ça me fera plaisir. En tout cas, donc j'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage, bisous les potes. Ok, let's go. Mais avant que la vidéo commence, je voulais parler aux petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne de mon sponsor Emixer. Donc c'est un site où tu retrouves énormément de tenues entièrement personnalisables. Et t'en fais pas, pour ceux, je précise, qu'ils ont déjà été voir sur le site et qui ne trouvent pas leur bonheur, tu peux aller voir sur leur Instagram ou leur Facebook et leur donner tes idées. Ils te feront ta tenue vraiment adéquate à tes idées, vraiment le top du top pour que ça te plaise au maximum. Donc je te mets le Insta sur la droite et leur Facebook sur la gauche. Donc n'hésite pas à les contacter si tu as quelques questions. Et surtout d'utiliser mon code promo et vous bénéficierez de 10% sur toutes vos commandes. Allez, on passe tout de suite à la vidéo. Thank you.
Fou l'avait dit en début de vidéo, au niveau du physique, ça a lâché aux environs des trois derniers tours. Et puis soudain ça arrive, oh, et ben voyons. Je finirai donc à une 17ème place, j'étais bien placé au début mais comme je viens de dire, j'ai pas réussi à tenir malheureusement. Mais bon, on se retrouve tout de suite pour la deuxième manche de la journée, mais en attendant, comme promis, je devais filmer la catégorie Open. Spontané croisée, mais je n'ai pas pu avec la tempête de poussière qui était là. Donc je tiens à préciser qu'il y a un mélange des deux manches de la journée. Donc ça fait toujours plaisir de se voir en vidéo. Et franchement, donc ça bataille fort, hein, franchement ça roule très très fort devant. Et c'est à peu près, ça fait toujours plaisir de se voir en vidéo. Et on se retrouve donc tout de suite après ça pour la deuxième manche de ma journée. We'll be right back.
Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René ! T'arrêtes de gueuler, bordel ! Je viens pas de me faire dépasser au dernier virage du dernier tour. Trop bête, la loose. Bien sûr que si, mais bon, on est quand même qualifié pour la finale. Oui, monsieur. Ah oui. Voilà les amis, donc on se retrouve donc pour le débrief de la finale, donc juste après celle-ci. Et accrochez vos ceintures parce que les mecs au départ, ils se sont crus dans l'air de cobra, c'est incroyable.
Et c'est sur ces images que la finale se termine. Elle dure vraiment pas longtemps parce qu'en fait j'ai préféré vous épargner ça, il se passe pas vraiment grand chose durant la finale. Et en fait j'ai un gros problème, c'est que quand je suis derrière un pilote, je vais me contenter de le suivre et je vais pas essayer d'aller chercher une autre trajectoire pour essayer de le doubler. Et je perds énormément de temps à faire ça. En fait durant toute la finale je me retrouve à suivre donc les mêmes pilotes durant l'intégralité de la finale pratiquement. Mais bon, c'était vraiment cool, franchement c'était top. J'ai passé une très bonne journée. Et franchement c'était vraiment vraiment super bien et j'ai pris beaucoup de plaisir sur la moto et c'est ça le plus important. En tout cas on se retrouve donc week-end prochain au motocross d'Isberg. Donc comme j'ai dit au début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de lâcher un petit like, ça me fera extrêmement plaisir, et pourquoi pas un commentaire pour vous dire ce que vous en avez pensé. Rendez-vous week-end prochain, bisous les potes.